Beaucoup connaissent cette adresse de Vez, le verre et l'assiette. Et c'est le chef Nadir Kassed qui vient de s'y installer. Bonjour Nadir. Bonjour. Donc c'est vous qui avez la chance maintenant d'être au fourneau au verre et l'assiette. Et je sais que vous êtes de toute façon de la région. Tout à fait. Donc je suis issu de Soucy-en-Jarret. Donc c'est au-dessus de Brignais, dans les Monts du Lyonnais. J'ai travaillé auprès de Pierre Orsi. Aujourd'hui, donc, vous nous proposez en entrée un petit tartare de saumon, à l'huile d'olive, citron et aneth. Donc le tartare de saumon. Donc on va prendre un filet de saumon, enfin un morceau de filet de saumon. C'est un beau filet de saumon, hein. Voilà, qui est arrivé ce matin. Donc on va tailler au couteau notre tartare. On va faire une petite brunoise de saumon. Ce qui va nous donner un joli petit tartare. Donc on met un petit jus de citron frais. Donc on va mettre une petite huile d'olive qu'on a mis du citron, des capres et une petite pousse de basilic. Donc on va mettre cette petite huile d'olive. On va mettre une pincée de sel. On va remuer le tout. L'acidité du citron va cuire le saumon. Donc c'est vraiment une cuisson minute puisque vous faites, vous le dressez de suite. Voilà, tout à fait. C'est vraiment une cuisson minute. Donc là, on va dresser dans un cercle. On va mettre une petite quenelle de chantilly à la nette. Donc une crème fouettée à la nette. Qu'on va déposer dessus. Hop. Et voilà. Donc Nadir, j'ai cru comprendre que vous étiez un amoureux des bons produits. Effectivement, on va travailler des bons produits des Monts du Lyonnais. Donc là, par exemple, on a la bière biologique des Monts du Lyonnais, de Rontalon, une bière bio. Après, on a les assortiments de fruits, cerises, fraises, framboises. Et puis, on a un magnifique plateau de fromage, varié, du homard frais et du foie gras. Et après, on a de bonnes bouteilles de vin. Voilà, il y a une surprise en fait au verre et l'assiette. Une surprise qui existe avec un dessert. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, c'est un œuf en chocolat. Et ben non, je ne vais pas vous en parler parce que c'est une surprise. Donc, il y a une belle surprise à l'intérieur. À l'intérieur. C'est comme un Kinder Surprise.